Voilà, donc ce qui est vraiment important, c'est de toujours, quand vous voulez faire une chose d'un point de vue pratique, vous utilisez la masse, évidemment. Parce que on a la balance, et ça nous permet de régler les proportions. Sachant que les objets sont tellement petits qu'on ne peut pas les manipuler, on est obligé de manipuler des gros trucs. Mais dès qu'on veut comprendre les choses, ce qui se passe, c'est toujours le nombre qui est important. C'est-à-dire qu'il faut convertir la masse en nombre. C'est cette étape qui est cruciale. Si vous voulez manipuler la masse, si vous voulez comprendre le nombre, manipuler la masse, comprendre le nombre. Ce sont deux choses différentes. Hein. Parce que quand vous manipulez, ça veut dire que vous voulez contrôler les choses. Contrôler, c'est-à-dire que vous voulez orienter votre système vers quelque chose. Il y a un but. Alors que quand vous voulez comprendre, vous voulez juste essayer de voir si vous avez un phénomène qui est là, qui donne un autre phénomène, et vous voulez savoir pourquoi, et non pas comment. Et donc, à ce moment-là, il n'y a plus de souci. Vous pouvez, vous devez utiliser le nombre. Donc c'est un exercice qu'il faut faire et qui est très... un petit peu ennuyeux au départ, mais à la fin, bon, une fois qu'on a pris l'habitude... Moi, c'est pour ça, quand je lis un article scientifique, je m'intéresse toujours au nombre, rarement à la masse. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de comprendre les choses. Pas de les manipuler ou de les contrôler. Comprendre. Et donc, pour ça, je dois utiliser une loi qui est le nombre. Alors, on peut le formaliser. Non, c'est pas ça, c'est celui-là. Bon. Vous voyez, la masse, c'est le coefficient qui me permet, avec une vitesse de donnée, de passer à la quantité de mouvement. Donc, la masse règle la quantité de mouvement que je vais avoir. C'est-à-dire de combien je peux bénéficier en mouvement. Alors là, je vais avoir un problème, je vais prendre une majuscule. Là, j'ai le nombre. Ici, c'est la pression. Là, c'est le volume. Là, c'est la température. Et là, ça, c'est une énergie. Parce que le produit d'une pression par un volume, c'est une énergie. Le produit de la constante de Boltzmann par une température, c'est une énergie. Donc là, je suis avec la quantité de mouvement pour la masse et avec l'énergie pour le nombre. Donc si c'est l'aspect énergétique qui vous intéresse d'un phénomène, vous devez raisonner en nombre. Si c'est l'aspect quantité de mouvement, c'est la masse. Vous voyez ? Il faut bien comprendre qu'on a ces deux choses. Et ce qui est troublant, c'est que les deux mesurent la quantité de matière. Mais il faut savoir qu'est-ce qu'on veut faire de cette matière. Est-ce qu'on veut l'avoir comme possibilité de mouvement ou est-ce qu'on veut l'avoir comme possibilité d'énergie? Sachant qu'on a aussi une énergie qu'on appelle cinétique de mouvement qui est le carré de la quantité de mouvement que divise deux fois la masse. Donc, on retrouve ici quelque chose d'intéressant, c'est que pour une quantité de mouvement donnée, c'est-à-dire si je fixe ma vitesse, j'aurai d'autant plus d'énergie que la masse est petite. Donc qui sont ceux qui manipulent l'énergie? Ce sont les petites choses, pas les grosses. Les grosses choses manipulent le mouvement, permettent de contrôler le mouvement. Mais ça ne... si vous êtes gros, vous avez un problème d'énergie. Grosse masse, petite énergie. Petite masse, grosse énergie. Donc c'est pour ça que c'est
On a du mal parce que la masse nous impressionne. C'est quelque chose qui est énorme. Plus c'est gros, plus c'est impressionnant. Mais c'est aussi beaucoup plus inerte. C'est-à-dire que si vous prenez ici cette définition, ça c'est la quantité de mouvement. Si je veux acquérir une certaine vitesse, quel est le problème que j'ai si je suis avec une grosse masse? Ben, je vais avoir une forte quantité de mouvement, mais une petite vitesse. Si je veux aller vite, qu'est-ce qu'il me faut? Pour la même quantité de mouvement, il me faut une petite masse. Petite masse égale grand nombre d'objets. Parce que si je suis petit, je peux être plus nombreux. Alors que si je suis gros, comme un gros est fait de plein de petits, qui deviennent une unité, j'aurai moins d'objets. Vous voyez comment il faut... Vous devez toujours fixer qu'est-ce que vous voulez faire. Comprendre ou manipuler, contrôler. Alors l'être humain se caractérise par une envie effrénée de contrôle. Donc, il se polarise sur la masse. Parce que si vous connaissez la masse, vous pouvez contrôler, manipuler les choses. Si vous ne connaissez pas la masse, ou si vous en affranchissez, il vous reste quand même le nombre d'objets qui, lui, ne dépend pas de la masse et qui, lui, va vous dire, grosso modo, la quantité d'énergie que vous avez à votre disposition. Et plus vous avez d'objets, plus vous avez d'énergie. Et ça, il y a quelque chose, il y a des gens que j'aime pas du tout, mais qui sont experts dans ce domaine, ce sont les militaires. Comment vous gagnez une guerre? Est-ce que c'est avec l'armement? C'est uniquement la quéquette. C'est-à-dire, on dit aux soldats, faites des enfants. Pourquoi? Parce que la population qui va gagner la guerre, c'est celle qui aura le plus d'hommes à aligner. Parce que beaucoup d'hommes veut dire beaucoup d'énergie. Et ça, les militaires le savent. Si vous voulez gagner une bataille, ils sont 1 million, on va en mettre 10. Si vous êtes 10 millions et qu'il y a 1 million, même si ce million il est très armé, très sophistiqué, la loi du nombre fera que c'est les 10 millions qui donneront la victoire. Et la nature fonctionne comme ça aussi. Si on veut conquérir un territoire, ou plutôt, on va parler dans le langage agricole, si on veut occuper une niche écologique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se multiplier. Et c'est pour ça que la vie, elle n'a qu'une envie, c'est une cellule, deux cellules, huit cellules, sept cellules. Se multiplier, parce que plus on est nombreux, plus on va pouvoir occuper la niche, par rapport aux espèces qui, elles, sont moins nombreuses. Bien sûr que certaines espèces qui sont moins nombreuses auront des capacités d'inertie beaucoup plus fortes parce qu'elles sont grosses. Mais la conséquence d'être gros, c'est que vous êtes fragile. Alors que quand vous êtes petit et très nombreux, vous n'êtes pas fragile, vous êtes robuste. Parce que si un individu meurt, il y en a 10 autres qui prennent la place. Si vous êtes avec une population de 3 individus et qu'il y en a un qui meurt, c'est une catastrophe. Pour la communauté. Donc c'est pour ça que la vie, elle s'exprime par le nombre, parce que c'est la seule façon qu'on a d'occuper le volume, d'occuper la niche. Et bon, bah, ça s'appelle l'évolution. Il n'y a pas une limite à l'expansion du nombre? Oui, bien sûr, il y a une limite, c'est les ressources. C'est-à-dire que pour se multiplier, vous devez absorber de la nourriture, et quand le sol a donné tout ce qu'il avait à donner, ou du moins qu'on a exploité, tout ce qui était facile d'exploiter, automatiquement, la population diminue. Donc, il y a toujours le problème de trouver un équilibre. La tendance est toujours à la multiplication. Mais à un moment donné, il faut tenir compte du fait que la nature reprendra de toute façon, dira, là, ben, moi, j'ai donné tout ce que j'avais à donner. Donc, il va falloir, à ce moment-là, arrêter la croissance. Et c'est pour ça qu'il y a des prédateurs. Parce que quand une espèce mange une autre, ça permet de diminuer le nombre. Et aussi, comme le nombre diminue, de permettre de se remultiplier.
voyez, c'est un jeu assez subtil. Mais c'est bien un jeu de nombre, c'est pas un jeu de masse. Et c'est toujours l'espèce qui se multiplie le plus, qui sera mangée, qui sera susceptible d'être mangée par les autres. Oui. Alors le problème d'être petit, c'est qu'on est mangé par les plus gros. Qui, eux, ont besoin des petits pour se développer. Parce que les petits, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils sont autonomes. Ce sont ce qu'on appelle des autotrophes. Alors, autotrophes, auto-moi-même, trophos, nourriture. C'est-à-dire, je suis capable de créer ma propre nourriture. Et c'est pour ça qu'ils sont intéressants, les petits. Par contre, les gros, ils sont hétérotrophes. C'est-à-dire, hétéro, mélangé, trophos, on est obligé d'avoir plusieurs sources d'alimentation parce qu'on n'est pas capable de tout fabriquer nous-mêmes parce qu'on est trop gros. Et donc, on n'a pas cette autonomie. Mais c'est pour ça aussi qu'on est fragile. Parce que comme on dépend d'autres espèces, s'il y a une de ces espèces qui disparaît, nous, on disparaît. Nous sommes des espèces fragiles. Et plus on a une masse élevée, plus on est fragile. On a un bel exemple, par exemple, c'est les dinosaures. Dieu veut un dinosaure. C'est... Ben, ils ont disparu. Hein. Et il n'a pas fallu grand-chose pour les faire disparaître. Une bactérie, je peux vous dire que pour la faire disparaître, c'est quasiment impossible. Il n'y a que si cette planète devient inhabitable pour l'homme, parce qu'on fait des tas de conneries avec la nature, je peux vous dire qu'il y en a qui s'en foutent complètement. Ce sont les bactéries, les virus et les champignons. Eux, ils seront toujours là. Parce que ce sont eux qui sont à la base. Et eux ne seront pas concernés par tout ce qui est en train de se passer actuellement, toutes les bêtises qu'on fait, nous, à notre échelle. Ces populations-là, elles ont de quoi passer ces catastrophes sans problème. C'est pour ça que, des fois, ça m'agace un petit peu quand on a ces discours écologistes où on dit « Ah, je vais faire du bien à la planète. Je sais pas, en consommant moins de bois, en faisant moins de transport. Vous faites pas du bien à la planète ou du mal, la planète elle s'en fout. Par contre, vous faites du mal à l'homme, à vous-même. C'est ça qui est, c'est-à-dire que vous vous menacez, vous, en tant qu'espèce, mais pas la planète et pas la vie. La vie, c'est Malcolm, le mathématicien dans Jurassic Park, quelles que soient les conditions, elle trouvera un moyen d'adaptation. Et on l'a très bien vu, on discutait hier avec... Je crois que c'est avec toi, sur la catastrophe de Tchernobyl. Qu'est-ce que vous avez à Tchernobyl actuellement qui devrait être, selon la théorie, un désert complètement stérile, vu la radioactivité? On n'a jamais vu une telle biodiversité. Pourquoi? Parce que la vie s'adapte. Et on peut vivre dans un milieu extrêmement radioactif. Ce qui est le problème du milieu extrêmement radioactif, c'est que pour vivre, vous devez être une bactérie, un truc simple. Vous ne pouvez pas être un être humain. Vous êtes trop compliqué, trop complexe. Et ces rayons vous tuent. Mais la vie en elle-même, elle s'adapte très bien à la radioactivité. Donc c'est... Moi, je vous recommande vivement de... Chaque fois que quelqu'un vous donne un argument de masse, c'est quelqu'un qui veut manipuler, contrôler. Quelqu'un qui vous fait comprendre les choses, qu'est-ce qu'il va vous utiliser? Il va transformer la masse en nombre. Parce que la puissance, l'énergie est dans le nombre.